T'es pas là, Blaise? Non, je sais pas où il est. Tu as embroché l'escalier, elle est venue direct et... Ça va. Pas de problème? Ça va. Pour de bon? Ça va. Ah. Faut que j'apprenne à rompre, moi. J'aimerais bien t'aimer comme avant. Je suis fatiguée. Est-ce que je peux me reposer? Sûrement pas, hurle le vent. Vraiment très mécontent. Il se met à souffler très fort. Le vent veut réveiller ce petit nuage qui s'endort. Eh, pas si fort, s'il te plaît. J'ai froid, j'ai peur. J'ai froid, j'ai peur. Mais le vent souffle encore plus fort. Qu'est-ce que c'est? Non, on a déjà donné. Je peux téléphoner à Blaise? Oui. Allô, Blaise, c'est Sandra. Écoute, j'espère que tu as passé une bonne soirée. Voilà, moi je suis chez Pierre. Tu viendras me chercher à l'école demain, d'accord? Voilà. Je t'en... Écoute, t'arrêtes de mater comme ça. Sans doute n'y a-t-il pas aujourd'hui de livres que l'actualité impose davantage que celui de Morabian McLamar, que l'ancien secrétaire. Ce qui énerve les aînés, n'est-ce pas forcément qu'on est autant, on ne sait pas pourquoi. On faut que les sortent de goûter. Il y a le débat le plus important qui secoue maintenant les responsables politiques et militaires des États-Unis. Ou l'inverse. Mais justement, jusqu'où peut-on aller par exaspération? Que faire des armes nucléaires? À la haine, on dira, sommeur. Pire encore! Serait-il plutôt un crime exaspérationnel? Il ne supportait plus qu'elle lui fasse une soupe trop salée! J'allais passer le concours d'Elena, mais j'arrivais pas à descendre du train. Puis je regarde mes pieds, et j'avais des pattes de poulet. Fais rien, allez, viens. Bonjour. J'ai du mal à savoir exactement
exactement ce qui se passe à l'école avec lui. Il n'y a pas de qui tu dois avoir, non? Bon, merci beaucoup. Tu viens manger à la maison ce soir? Hein? Ça peut pas ce soir. Demain, si tu veux. Yann, il faut jamais forcer les gens. Sandra viendra quand elle voudra. Non, on m'embrasse pas ici. C'est pas une femme. C'est pas une femme, mais je fais que les blondes. Tu veux pas m'emmener en vacances? J'en ai marre de t'enfouir. Tu trouves? Ça me va? Ça m'embête qu'il soit pas un peu plus décolleté dans le dos. Oh là là. Oh, puis il faut se voir bronzé. Bronzé, c'est pas pareil. Vous l'auriez pas en vert? Pourquoi tu me regardes comme ça? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui va pas? Non, mais je me disais seulement que tu aurais besoin d'une petite coupe maillot de bain. Donc, c'est pourquoi est-ce que je joue à la conne que... Si je te plais pas, tu peux aller voir ailleurs, hein? C'est pas ça qui manque, les aseptisés, pouponnés... Non, mais je disais seulement que le jaune, quand c'est mouillé, ça... Pas le jaune. Ah oui, le jaune, quand c'est mouillé. Ah, on va voir. C'est pas possible ça. Trop tard. Oh là là, j'en veux plus. J'en veux plus. Chut. Vous descendez? Non. On monte. Ici, quand un ascenseur vous tombe sous la main, vous venez pas le lâcher. 15, 16. L'autre fois, j'ai bien dû attendre 10 minutes. C'était 23, les fils du gardien qui jouaient avec les boutons. 24, 25. Je peux plus, je peux plus. Descendez! Descendez. Oui, on a mis ça. Tiens, lève le tronc. Ah, ouvrez la fenêtre pour passer. Lève. Oh. Allez, amenez. Oui. Le roi du chien. Le pignon. Sabine, tu viens? Là, il manque lui. Allez, hop! C'est l'heure de la sortie. Hop! Hop! Et tout le monde dehors! Alors, tu prends toutes tes affaires. On a laissé un premier.
Sandra! Venez quand vous voulez, mais pas plus. Je crois que ce monsieur du cabinet devrait être présent dans un passage. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ça va? Morel, ça va arriver une minute à l'autre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, justement, Rossel, on parlait de vous avec François-Xavier, je veux dire avec Morel. Vraiment, je suis enchanté. Écoutez, voyez-vous ce qu'il faut dans notre métier? Ce sont d'honnêtes médiocrités comme vous. Pardon? Et comme moi, je parle pour moi, bien sûr. Sumi, Rossel-san, Suzuki-san. Vous vous intéressez aux femmes maintenant, Rossel. Vous savez bien que ce qui nous a toujours séparés, ce sont les femmes et la politique. Dites-moi, vous savez que Bertrand est parti pour Zurich. Vous irez signer les accords de chasse à l'avion. J'espère que ça ne sera pas trop désagréable. Et bon, au fait, votre papa tient toujours un garage, non? J'ai des ennuis avec mon démarreur. Ton père est garagiste? Vraiment? C'est amusant. Excusez-moi. Vous ne le saviez pas? À votre avis. Ça. Arrête de tricher, tu joues tout le temps. On peut jamais savoir ce que tu penses. Et toi, tu crois qu'on sait ce que tu penses? Hein? Mais moi, je t'ai jamais rien promis. Je t'ai dit la vérité dès le départ. Moi, je triche pas. On a déjà perdu assez de temps avec cette valise à la con. Attention quand même. Pensez Bernard quand même, non? Le garage et j'ai oublié.
putain, vous me foutez dans la merde, Bernard, avec vos conneries. Vous pourriez pas faire attention, vérifier le moteur une fois de temps en temps? C'est votre boulot, non? Je vous jure, j'avais le garage, j'avais dit au garage de s'en occuper. Allez, ne discutez pas, allez mal au sein. Personne, vous êtes sûr qu'elle marche? Pendant que vous y êtes, faites réparer le téléphone dans la voiture. Ce sera quand même plus pratique. Bien, changez-moi ce costume à la fin. Bien. C'est quoi son numéro déjà? Numéro 6. 6. Allô? Allô? Allô, c'est le petit frère de Sabine? Non. Attendez, elle a quelque chose à vous dire. Tiens, je te le passe. Viens, viens, viens vite, il est pressé. Ah, allô? Ouais. Non, elle est déjà partie. Hein? C'est vous? C'est gentil d'être passé. Oh, c'est gentil d'être passé. Ça va? Il pouvait pas être dans une chambre tout seul. Ben, tu sais, j'ai pas vraiment eu le choix. C'est le principe des urgences. Puis moi, je me trouve bien ici. C'est sordide. Ça va, t'as mal? Ben, je sais pas. Donner des médicaments, alors ça calme la douleur, mais je sais pas trop. Oh. Il fait chaud ici. Tous les deux, je mets une clope. Oui. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? C'est un accident. Je te crois pas, tu mens. D'abord, où était passé ton apprenti de Bernard? Je te jure que c'est rien. À cause de moi, c'est ça? C'est ma faute? Tu m'auras pas comme ça. Hein? Tu m'auras pas comme ça. Hein? Arrête, s'il te plaît. Oh, t'as de jolies chaussettes. Ah oui? Tu trouves? Oh, puis arrête de changer de sujet, écoute. Tu crois que j'ai pas assez avec mes mots, mes 15 mots, non?
Ça me fait peur. J'ai pas faim. Je vais prendre le kiri, c'est tout. J'ai pas pu venir avant. C'est Blaise qui m'a prévenu. C'est bien que tu sois là. J'en ai marre. Écoute, la première fois que tu me l'as faite, ça m'a fait rire, mais maintenant, je... Quel gâchis. Tu gâches tout, tu abîmes tout ce que tu touches. Jack, tu abîmes rien. T'es en train de foutre en l'air ton expo. L'expo, elle se fera sans toi. Et toi, qu'est-ce que t'es? Je suis une bestie. Attends. J'oublie le négatif.
cas, tu peux faire ce que tu veux, et moi, tu m'auras pas. Il m'arrivera pas la même chose qu'à Pierre. J'ai changé, Sandra. Mais c'est avec toi que j'ai pas peur. Oui, mais moi, j'ai peur. Oh, écoute, arrête, c'est pas drôle. On arrête la plaisanterie, tu veux? Parce qu'un jour, je me prendrai tout sur la gueule, tous nos mensonges. Tu comprends qu'en ce putain d'instinct de survivre, on va me chatouiller les couilles. Je finirai par te tuer, Sandra. Je te tuerai simplement pour t'apprendre à vivre. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'ai pas d'amis. J'ai pas une amie. Tu comprends? Il y a que toi que je connaisse depuis longtemps. J'ai que mes enfants. Je sais rien faire. Rien faire d'autre. J'aurais bien fait d'être pute. Bon. Je peux dormir ici. Non. Qu'est-ce que tu fais là tout seul sous la pluie? J'ai oublié mes clés et Marc rentre tard. Bon, ça t'arrive souvent? Oui, assez. T'as pas faim? Si, j'ai faim. Mmh. Allez, viens. Attends, on fait un vœu. Jette une pièce. Vas-y, fais un vœu. Ça va pas, non? T'es malade? Arrête! Arrête! Tiens! Elle t'a fait rire, mon histoire? Oui. T'as fini? Bon, on va passer chez Marc, on va voir s'il est là. Ouais, puis s'il est pas là, on laisse à Mou et je vais dormir chez toi, d'accord?
passerez me voir tout à l'heure, je changerai votre perfusion. S'il vous plaît. Il a signé sa décharge ce matin. Ce matin? Il est parti contre avis médical. L'interne lui avait conseillé. Comment va papa? Je le trouve préoccupé en ce moment. Enfin, tu le connais, il n'est pas très bavard. Ça lui fera plaisir de te voir, tu sais. On va se voir bientôt, on doit aller au théâtre la semaine prochaine avec Sandra. Et toi, tu vas bien avec ta grosse glace? Ça va. J'étais au dentiste pour mon appareil. Ouais, il est obligé de me le refaire parce que ça me fait toujours mal. J'espère qu'il va y arriver. Ça me ferait quand même mal au cœur de ne pas pouvoir m'en servir, après qu'il nous a coûté. Je me suis acheté des chaussures. Elles te plaisent? C'est pour aller avec ma robe. Tu sais, ma robe grise. Elles sont très belles. Tu devrais venir plus souvent, tu sais. Bon, moi, ça va, on se voit, mais tu manques à ton père, tu sais. Il est très fier de ce que tu es devenu. Mais je crois qu'il est un peu triste que tu te sois éloigné de lui. De toutes les façons, papa ne peut pas la sentir. Mais il ne l'a jamais vue. Suivant, s'il te plaît. Nous allons nous marier. Sandra attend un enfant. Sandra, ouvre-moi.
ça va? On s'embrasse? Ah mais... Ça va? Ouais, comment va Antoine? Bah, je sais pas, je sais qu'il a mis le bateau en carénage et il doit être à Paris, mais je sais pas si c'est. Excusez-moi, Bernard, tu peux t'occuper de monsieur? Bon, je comme ça, je crois que vous nous repartez. Je prends la voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Je comprends. Allez, je crois que ça suffit. Qu'est-ce qu'il y a? Vaut mieux que vous rentriez chez vous. C'est son. Peu importe, vaut mieux que vous rentriez chez vous. D'accord? C'est un jaloux, c'est ça? Peu importe. C'est pas le problème et on arrête là. D'accord? Tu peux m'aider à retirer ma veste, s'il te plaît. Attention. C'est beau quand même, tu vois. À force de tout tourner en dérision, j'avais oublié ce que c'est que de tenir quelqu'un.
J'ai même peur de retourner sur toi. Faire vraiment. Mais jusqu'au bout. Ah, moi je suis d'accord. Jusqu'au bout. J'en ai pour 2 minutes. C'est comme si t'avais pas pu téléphoner. De toutes les façons, tu seras à l'heure, à l'école, t'inquiète pas. Si t'avais envie de pisser, c'est le moment. Bonjour, ma petite mère. Ça va? Bonjour, Sandra. Bonjour, madame. On vient d'Auvergne, là. On a eu un froid. Vous avez une très belle maison. Justement, je suis passé pour vous dire que, avec ce froid, ça a gelé là-haut. Ça fait des dégâts? Bah, il y a une fuite d'eau. Non, c'est pas une fuite d'eau, c'est les toilettes, là. T'as dû oublier de mettre du sel. Si, bien sûr. Vous voulez du café? Bah, je sais pas si on va avoir le temps, parce que... C'est quoi, ça? Bah, c'est rien, ça. Un diplomate qui t'a serré la main trop fort? On peut rien te cacher, hein. J'irai pas. Tu sais que t'es belle, toi, quand tu travailles. Ne touche pas. Mais qui est-ce qui te donne la permission de me toucher? Ah, parce que maintenant, il faut une permission pour te toucher. Et les autres? Oh. Les autres, c'est pas pareil. Les autres, ils ont le droit. Mais moi, je veux un enfant de toi. Oui, tu le veux de quelle couleur? Mais je t'aime, moi. Oh, Pierre, tu te répètes. Si on allait faire du ski tous les deux à Noël? Tu sais bien, je te l'ai dit. Mais tu m'as rien dit. Tu te souviens pas? Moi, je m'en souviendrai si tu me l'avais dit. Je t'ai pas dit que je partais? Mais non, tu m'as rien dit du tout. Mais si, écoute, je te l'ai dit. Mais écoute, je suis sûr que tu m'as rien dit. Bon, je te l'ai dit, mais t'as pas voulu m'écouter. Mais je te dis que tu m'as rien dit. Oh, écoute, là encore, tu m'écoutes pas. Mais écoute, non, tu m'auras pas comme ça. Si tu m'as dit quelque chose, qu'est-ce que je t'ai répondu? Tu m'énerves, tu m'agaces. T'en vas avec Blaise? Oui, c'est ça, je pars avec Blaise. Tu mens, il m'a dit qu'il voulait plus te voir. Ah bon, t'es passé dans la police maintenant? T'as été muté? Dis-moi avec qui tu pars. Oh, écoute, tu vois pas que tu m'embêtes avec tes questions, j'ai pas envie de te répondre. Mais dis-moi avec qui tu pars. Tu veux que je te demande, c'est ça? Je m'en fous, dis-le-moi. Je pars avec Marlon Brando. T'es content? Hein? C'est ça que tu voulais? Bon, alors maintenant, laisse-moi tranquille, va. Va-t'en. Va, va au théâtre, va!
Je les avais pris pour nous. Vas-y avec lui. Je dis que je voulais pas aller au théâtre. Alors tu vas me laisser tranquille maintenant. Tu vas t'en aller. Tu vas t'en aller. Va-t'en. Tu vas t'en aller. Excuse-moi, mais... Excuse-moi. Des dentifrices contiennent du fluor et le fluor est nécessaire pour renforcer l'émail de vos dents. On va lui mettre. Mais vos gencives, elles aussi, sont menacées. C'est pourquoi Vademécum, fluor et plantes, qui contient du fluor actif, contient en plus un mélange spécial de plantes médicinales aux vertus bienfaisantes. Mélisse, sauge, camomille. Alors n'oubliez pas vos gencives. Utilisez Vademécum, fluor et plantes, le dentifrice à action complète dans gencives. Il est encore au téléphone. On va finir par être en retard. Tiens, donne. On va mettre une heure pour se garer. Non, Pierre m'a dit qu'il y avait un parking sous le théâtre. Le porte-carotte. On va le savoir quand même. Pardon. Le porte-carotte. Eh ben. Quoi? Bah, un navet. Pas comme ça. T'aurais pu aller au coiffeur tout de même. Ça fait une semaine que je te le dis. Et ben, sa soupe. Donne-moi ton assiette. J'en veux pas. Arrête de fumer. Je vous avais pourtant dit qu'on pourrait dîner après le spectacle. Il a fallu quand même que vous dîniez avant. Ton père se lève tôt demain matin. Puis tu sais, lui, avec sa soupe... Tu viens toujours déjeuner dimanche avec Sandra? J'ai dit qu'on viendrait, on viendra! Tu parles pas comme ça à ta mère. Tiens, de toutes les façons, je voulais te dire, on attend un enfant avec Sandra. Hein? Qu'est-ce que tu dis de ça? J'arrive pas à imaginer que j'ai déjà l'âge d'être grand-mère. Mais regarde-moi quand je te parle. Regarde-moi. Qu'est-ce que t'as contre ton père? T'as rien à se dire. Si tu veux que j'amène Sandra, moi, dans une famille comme ça. C'est pour faire une scène comme ça que t'es venu ici? J'en ai marre. Ça va, mais bouffe, bouffe, toi. Bouffe, ça va être froid. Tais-toi. T'as toujours que ça à dire? Tais-toi. Bon, c'est fini cette comédie, tous les deux. Mais moi, j'en ai marre de me taire. J'en ai marre de me taire dans cette famille à la con. Mais Pierre, tais-toi. Qu'est-ce qui te prend, enfin? Tais-toi, voyons. Non, mais dis-lui. Dis-lui que j'ai raison. Dis-lui, à la fin. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me frapper? Eh ben, frappe-la. C'est là que ça fait mal. S'il n'avait pas toujours été comme ça, on n'en serait pas là, réduit à rien. À ne plus pouvoir parler. Mais on te retrouve au théâtre. T'as vu? Voilà. Les...
C'est quoi votre type de serrure? J'en sais rien, moi. C'est une serrure comme une autre, vous allez bien voir. Ça, pour voir, je vais voir. C'est encore haut? Non. On y arrive. La prochaine fois, le monsieur, il y pensera à prendre ses clés avant de sortir sa poubelle. C'est qu'il faut bien les mouiller si on veut que ça glisse. Et voilà le travail. Tenez. C'est que j'ai pas la monnaie. Mais c'est bon, ça ira comme ça. Oh, il est bien gentil, le monsieur. Blaise, je t'ai vu. Je t'ai vu à la fenêtre. Ouvre-moi. Ouvre-moi, j'ai quitté Pierre. Pas la bise? Elle fait la bise, quoi. T'as fini la Ford?
laisse. Laisse-moi voir. Mais laisse. Laisse-moi voir, je te dis. Très longtemps que je t'ai pas venu dans une école. J'aurais bien aimé vous faire visiter, mais là, j'ai vraiment pas le temps. C'est les vacances. Vous comprenez ça? Les vacances. Qu'est-ce que vous voulez? Vous pouvez réfléchir, c'est une histoire terminée, finie. J'en aime un autre, voilà, c'est tout. Maintenant, laissez-moi tranquille. Foutez-moi la peine. Vous allez me suivre comme ça encore longtemps? C'est pas grave, j'aime bien la compagnie. Je comprends pas comment mon fils peut aimer une salope comme vous. Vas-y, vous gênez pas si ça peut vous soulager. C'est un faible, votre fils. Tout juste capable de pleurer sur l'humain, de faire chier les autres. Étonnant de voir ce qu'il est devenu, et si vous voulez vous foutre dans la tête. Maintenant, je vous préviens, si vous continuez à me suivre... Thank you.
Vous descendrez à la prochaine station. Je sais pas, je sais plus. Je croyais que j'avais des tas de choses à vous dire. Oui, je sais, Pierre est pareil. Vous avez faim? Allez, allez, on va manger. On va manger, puis on arrête les bêtises, là, parce que... Non, mais vraiment, ça, ça m'a envie de manger cette peur tout à l'heure. Ben voilà, vous voyez, avec un peu de volonté. Ah non. Oh. Sandra, il faut pas quitter Pierre. Il faut pas. Je vous en prie. Depuis que vous êtes plus là, c'est terrible. Je vais pas vous demander de l'aimer. Mais il est bien, mon fils. Il faut pas le laisser. Il est en train de foutre en l'air sa carrière. Qui est un peu moins belle. Quand j'étais jeune, si on voulait avoir une chance avec les femmes, il fallait savoir les faire rire. Vous êtes encore plus belle quand vous riez, Sandra. Maintenant, il faut que je parle. Que je parte. J'ai jamais rien demandé à personne. Pas une fois. Je sais bien qu'on fonctionne pas pareil. Si vous faites ça pour lui, je vous aimerais. Comme ma fille. Je peux lui faire que du mal à votre fils. Que du mal. Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais lui dire?
Commencer comme tout à l'heure, non? Il faut pas partir. Il y a besoin de vous. Bonsoir. Bonsoir, Maurice. Faut lui donner une deuxième chance. Écoutez, moi je vous juge pas, alors foutez la paix aux autres. C'est pas arrêté de lui en donner des chances à votre fils. Je lui en ai 10-15, je sais pas, j'ai pas arrêté. Alors, merde, mais c'est fini maintenant, vous comprenez? Mon fils, il vous aime. Mais qu'est-ce que je peux faire? Dites-moi que vous allez rester. Arrêtez. Dites-le-moi que vous l'aimez. Dites-le-moi. Arrêtez. Dites-le-moi que vous l'aimez. Arrêtez. Dites-le-moi.